sang. Sois loué, les rois des rois, sois loué. Alléluia, sois loué, Jésus. Parce qu'on a beaucoup à apprendre aussi du de la vie. Alléluia. Au point que hier, pratiquement à 4h30, j'ai terminé le message. Je me suis dit non, il y a quelque chose que tu n'as jamais enseigné, je veux que tu ajoutes. Il m'a ajouté deux choses que je vais ajouter sur des portions qu'on a déjà, on est déjà passé. Alléluia. On va revenir encore un peu en arrière sur comment on devient idolâtre. Je vais nous enseigner quelque chose que l'Esprit m'a appris la nuit. Alléluia. On a vu la première chose que nous devenons, on peut devenir idolâtre par le voisinage. Amen. En d'autres termes, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Ne dites jamais que tu es fort, parce que personne n'est fort dans cette matière-là. Quand la Bible dit dans une portion de la Bible, fouiller, c'est-à-dire que ce soit l'idolâtrie, que ce soit l'impurité, ce n'est pas des choses à jouer avec. Quand on dit fouiller, il faut fuir. Tu ne fuis pas, tu tombes dedans. Alléluia.
Alors ceux qui sont crient fort, Matthias, on a dit qu'on ne s'appelle Matthias, il faut être calme. Il veut dire fouiller, ça veut dire fuir. Alléluia, on va voir ça en détail plus tard. On a vu aussi que on devient ignorant par ignorance. Alléluia, parce qu'on ne connaît pas la loi de Dieu. On ne sait pas que Dieu a défendu. Par rapport à ce que je vais ajouter aujourd'hui, vous allez bien comprendre comment l'ignorance parle. Parce qu'il y a un autre facteur qui agit avec l'ignorance. Amen, qui est la peur que nous allons voir. Que Dieu m'a dit d'ajouter comme un sixième moyen par lequel les gens arrivent à devenir idolâtres. Alléluia. Amen. On a vu que par ignorance, la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Vous allez voir les Osée 6. Dieu ne se limite pas là. Il ajoute encore parce que vous avez rejeté ma parole, moi je rejetterai aussi vos enfants. Alléluia. C'est pour. Amen. C'est pour nous dire que nous devons faire extrêmement. Amen. Que nous devons faire extrêmement attention. L'enfant de Dieu doit se donner une discipline à lire la parole. Surtout ceux qui sont appelés à prêcher la parole de Dieu, si tu tombes dans les pièges de lire la parole que vous prêchez, tu vas te trouver un jour en carence. Tu vas te dire, il n'y a plus rien. Beaucoup des enfants de Dieu, des prédicateurs ou des enseignants, sont arrivés en carence parce qu'ils ont commis cet erreur de venir juste donner à un moment donné une affaire par lui-même. Il lit la Bible pour lui-même, il lit la Bible seulement pour enseigner. Il n'est pas de séminaire en séminaire toute l'année. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Où il a écrit un livre, mais le livre est devenu comme c'est la même chose qui revient pendant 3 ans. Non, la conscience de Dieu est profonde. C'est pourquoi nous avons besoin à un moment donné de revenir toujours d'avoir un temps où tu as ton programme à toi personnel de connaître Dieu. À part ce que tu donnes aux gens. Amen. Parce que hier, déjà, l'Esprit m'a donné, j'ai appris de ce que je vais enseigner. Si je suis ça, je ne peux jamais apprendre. Moi, je dois me discipliner. C'est tellement une discipline des choses de Dieu. Que Seigneur, oui, tu m'as dit ça, c'est pour les gens, mais pour moi-même, je vais lire ça. Parce que, au fur et à mesure que tu te bâtis ainsi, tu ne manqueras jamais d'exemple, tu ne manqueras jamais, tu vas enseigner la parole par la parole. Alléluia. Amen. Mais parfois, l'idolâtrie, l'ignorance, on a vu ça, on ne va pas revenir sur ça. La troisième chose, c'est en s'informant, ça c'était nouveau pour beaucoup d'entre vous, en s'informant auprès des autres dieux, auprès des autres, comment ils servent leur Dieu. Nous avons dit que Jésus-Christ de Nazareth est amplement suffisant et nécessaire pour nous. On n'a pas besoin de connaître d'autres dieux. Quand tu les connais, tu n'as pas besoin de connaître d'autres. S'il veut utiliser quelqu'un qui va amener le bouddhisme, il peut prendre un ancien bouddhiste, un moine bouddhiste, comme il en a fait plusieurs maintenant, qui sont devenus chrétiens, il peut enseigner aux autres les erreurs de leur religion. Mais toi qui es déjà chrétien, ne va pas étudier cette religion. Tu vas tomber là-bas, des doutes vont rentrer. Voilà pourquoi dans les universités, il y a quelques années, j'étais avec un pasteur dans l'année 93. Il était étudiant, moi j'étais étudiant au ministère de Montréal, puis il était dans un bureau. Il me dit, frère, donc, tu sais que dans la Bible, tu peux trouver des contradictions. Je dis, ah! Non, pasteur, moi là, j'ai reçu Christ dans mon bureau. Je crois que si je ne comprends pas la Bible, c'est pas qu'il y a des contradictions. C'est moi qui ne comprends pas. Toi, si tu avais un théologien avec ça là, tu vas finir non chrétien. Et ça ne va pas tromper après quelques années. Amen. Parce qu'il faut suivre. Quand tu as la Bible, tu dois croire que ça, c'est la vérité, c'est la vie. Si je ne comprends pas, mets à côté des sujets que tu ne comprends pas. Amen. Et puis tu vas étudier, et puis reviens chez tes enseignants, il y en a plein aujourd'hui. Apprends sur le sujet que tu ne comprends pas. Ne dis pas non, il y a une contradiction. Et Dieu ne peut pas se contredire. Alléluia. Amen. Et on a vu aussi que quand l'accomplissement des promesses est très net. Amen. Quand l'accomplissement des promesses est très net, c'est un autre terme. On avait l'exemple des enfants d'Israël dans Exode 32. Moïse est allé à la montagne, il a traité 40 jours, 40 nuits, ils sont restés. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce Moïse? C'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors faisons-nous un Dieu à notre image. Amen. Et puis ils ont fait un Dieu de fente, et puis ils ont dit demain on va fêter à l'honneur de l'Éternel. Ils n'ont pas fêté à l'honneur de Dieu, du veau, mais à l'honneur de l'Éternel. Amen. En d'autres termes, il y a un peu comme l'idolâtrie dans les chrétiens d'aujourd'hui. Ils adorent Dieu, mais avec des choses que Dieu n'a pas permis qu'on puisse adorer. Vous êtes dans l'idolâtrie. Amen. Quelqu'un me disait, hier, dans le matin, m'a appelé samedi, il me disait, j'étais dans un baptême d'enfants, dans les églises, il m'a dit des enfants. Et puis en sortant, et puis de l'église, lui, il était outré qu'il a vu le prêtre ou l'abbé qui a baptisé aller devant une grosse statue de je sais pas, de Marie ou de Jésus qui était là, il s'est agité, puis il a baisé la statue. Alors le frère était comme.
il ne pouvait pas y aider. Il disait, il y en a qui ont la charge de vivre de la crédibilité directement dans les vrais. Nous qui avons commencé par les traditions, nous comprenons mais ces choses-là. Alors le frère, il était vraiment... Il m'a appelé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons bien quand les promesses sont très bien-aimées, et un grand risque de s'attacher à ce qui n'est pas de Dieu est là. On va s'agripper aux choses, on ne peut pas s'agripper. On a vu que l'idolâtrie, c'était comme ça, c'était comme aimer autre chose, ou trouver un plaisir, ou trouver la paix par rapport, trouver sa paix dans autre chose que Dieu. Alléluia. Tu vas t'agripper à quelqu'un, tu vas t'agripper à quelqu'un, quoi que ce soit. Il y en a qui sont agrippés à des grands frères ou à certaines personnes, croyant que c'était leur Dieu. Mais quand ces gens sont morts, ils sont comme déboussolés. Alléluia. On ne va pas prédire sur ça, on a parlé de ça. Ce que je voulais ajouter aujourd'hui est très important. Alléluia. Amen. La sixième chose, ou le sixième moyen qui nous conduit à l'idolâtrie, si nous ne faisons pas attention, alléluia, c'est quand on craint de perdre quelque chose auquel, à laquelle disons, on était déjà habitué. Alléluia. On a aimé la chose. Des fois, la chose était même ordonnée par Dieu. C'était une très bonne chose. Mais à un moment donné, on est tellement attaché à la chose. Quand Dieu dit lâche la chose, tu ne peux pas lâcher la chose. Amen. Tu as grippé tellement la chose. On voit beaucoup d'exemples parce qu'un enfant de Dieu doit être capable d'écouter. Et frère Laurent, on t'a dit, moi je me dis ça m'a coûté cher. Quand Dieu m'a dit à 98, il m'a donné un green card tout pour les États-Unis. Moi je suis resté, ça m'a coûté trop cher. Toutes mes routes étaient barrées. Tu expliquais les choses aux gens, vous allez à l'examen, il réussit, toi tu ne réussis pas. Tu dis, un examen facile et tu les rates. Les gens qui tentent, qui dans la peur réussissaient. Alors, tu te rends compte qu'à un moment donné, nous devons savoir lâcher. Amen. Quand Dieu t'a donné quelque chose, il y a un moment, laisse, tu peux laisser, si tu agrippes à la chose, lâche-y. Quand tu as la loi de Dieu, en d'autres termes, la chose devient comme un ton Dieu. Alléluia. Amen. Ou des fois, tu as désobéi à Dieu, comme c'était un serviteur de Dieu, moi je crois que quand un serviteur de Dieu est tombé dans un péché grave aussi grave que l'adultère, il doit prendre des distances un peu. Il demandait à Dieu qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse après. Mais il y en a non, il y en a qui font sa tue-tête à continuer, puis ça les. Ils ont des gens pour recevoir qui sont mauvais. Non. C'est parce qu'ils s'entendent des chemins qui ne sont pas. Ils sont venus idolâtres de leur fonction, de leur travail. Alléluia. Et quand je parle comme ça, quand vous allez dans la Bible, hier, on va entrer avec ça, on va bien comprendre cela. Alléluia. Amen. Allons dans 1 Roi 12. 1 Roi chapitre 12.